Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, il est 18h pile en ce jeudi soir et c'est parti pour Zéro en Live Hebdo, toute l'actualité des nouvelles techno, vous le savez, le débriefing de la semaine et vous vous dites où est passé Jérôme Colombin, il est en vacances, il a bien raison, belle bronzette mon gars, tu seras de retour la semaine prochaine. Alors revenu de ce Zéro en Live Hebdo, Apple et Qualcomm, je t'aime moi non plus après une procédure contre le fournisseur des modems de son iPhone, Qualcomm réplique. La firme basée à San Diego fait valoir que l'iPhone n'aurait jamais pu connaître un tel succès sans ses composants. On va parler de cette bataille judiciaire avec nos experts 01Net, à la fois Eric Le Lebourlou, le rédacteur en chef de 01Net.com, et aussi Jean-Sébastien Zanqui. Jean-Sébastien Zanqui, avec qui aussi on va s'intéresser euh, au problème de l'iPhone 8. L'iPhone 8 aurait un problème d'empreinte, de capteur d'empreinte, ça ne marcherait pas. C'est embêtant pour un téléphone portable qui se veut être au top de la techno. On fera le point là encore dans quelques minutes. Delphine Sabatier revient sur l'incroyable maladresse de Burger King qui s'invite chez les utilisateurs de Google Home, malgré eux avec une pub télé qui a fait déclencher tous les téléphones sous Android. C'est assez drôle, on verra que les conséquences sont quand même assez lourdes. Et puis euh, du côté du labo tout à l'heure, eh on s'intéressera sans doute aux meilleurs téléphones portables appareils photo du moment. Il s'agit du LG G6. C'est là encore une fois Jean-Sébastien Zan qui viendra nous en parler parce qu'il a testé. C'est la bonne surprise de ce printemps. Et puis en compagnie de François Bedin, on jettera un œil sur la nouvelle tablette de Samsung. Vous le savez, nous sommes en direct. Vous pouvez d'ores et déjà réagir, à la fois sur Twitter avec le hashtag 01Live, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez nous laisser vos commentaires. On va essayer d'en capter quelques-uns si vous voulez réagir et poser vos questions. C'est parti, soyez les bienvenus dans ce 01 live hebdo. de parler du sujet high-tech polémique de la semaine, Qualcomm, Apple, on va s'intéresser à la question zéro net Orange de ce jeudi soir, les amis. Euh, quelle méthode utilisez-vous pour déverrouiller votre smartphone On va en parler dans un instant avec Jean-Sébastien Zanqui. Ce capteur d'empreinte qui aurait des problèmes sur le futur iPhone. Alors justement, comment faites-vous pour verrouiller ou déverrouiller votre iPhone Capteur d'empreinte, code clavier, à l'ancienne quoi, en quelque sorte. Hein. Euh, reconnaissance faciale ou bien vous ne mettez pas de sécurité. Votez dès maintenant sur zéro-net.com ou zéro TV, On fera un point tout à l'heure sur ce sondage, sur cette question Zeronet net orange. Bon. Eric Le Bourlou, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir aussi à Jean-Sébastien bonsoir. bonsoir. Messieurs, la planète smartphone est complètement, on va dire, chamboulée par cette histoire. Apple d'un côté, Qualcomm de l'autre. Euh, ça commence à être vraiment chaud entre ces deux deux acteurs de la téléphonie mobile, oui. un qu'on connaît très bien, Apple, oui. Qualcomm qu'on connaît moins bien mais qui euh, voilà est indispensable aujourd'hui, on va peut-être expliquer qui est Qualcomm avant de rentrer dans les détails de cette bataille qui entre ces deux géants. Oui. Alors bah Qualcomm pour ceux qui ne connaissent pas Qualcomm, c'est un c'est un concepteur de de puces de, de système on chip et de modem pour, euh, pour on va Dire la, la plupart des smartphones du marché, hein. euh, c'est un peu euh, ouais. l'intel du mobile, quoi. C'est un peu l'intel mmh. du mobile, ouais. La, la plupart des, des smartphones les plus connus, hein. on parle de, par exemple là, du, du G6, si ouais. je m'abuse à une puce Qualcomm. Les alors, pas en, pas en Europe, mais beaucoup de téléphones Samsung ont des puces Qualcomm. Ils équipent beaucoup de téléphones haut de gamme avec leur puce Snapdragon et ils équipent aussi. Notamment euh, le modem euh, des téléphones Apple. Donc, c'est quand même un mastodonte, hein, Qual Qualcomm. Hein, c'est une firme qui est basée à San Diego, aux États-Unis, et qui euh, a contribué à de nombreux standards de téléphonie mobile, hein, la 2G, la 3G, euh, la 4G. Euh, Qualcomm fait partie des gens qui, qui met au point ces standards et qui donc les implémentent ensuite dans des produits. Et euh, c'est vrai que là, ils sont un petit peu en bisbille avec Apple depuis, euh, depuis quelques temps. Alors, ça, coupe, ça, ça fait plusieurs mois, hein, Jean-Sébastien, ouais. qu'on a cette, 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 cette bataille. Tout a commencé donc en janvier dernier, je crois bien, mm -hmm. avec Apple qui a commencé à attaquer on va dire qualcomm oui en fait le 20 janvier dernier apple a déposé une plainte contre qualcomm euh, en disant tout simplement que qualcomm abusait de sa position dominante puisqu'en fait qualcomm fournit 80% des, des modems mmh. euh, maintenant 4g du marché euh, et en fait apple explique que qualcomm leur demande lui demande des royalties absolument effarantes et qui ne sont pas en rapport avec le nombre de brevets de qualcomm qui sont utilisés dans la norme 4g euh, donc apple doit payer non seulement les composants donc les modems en même les puces mais aussi verser des royalties pour chaque iPhone qui est vendu sur le marché donc c'est quelque chose qui est estimé d'après ce qu'on a vu et ce que les experts pensent parce que c'est évidemment masqué dans les plans oui bien sûr on n'a pas enfin, ces chiffres là ce qui sont lire voilà. au bolant sont secrets mais ça serait estimé autour de 20 dollars par modèle euh, sachant ouais. que en plus apple euh, euh, dit que selon les modèles d'iPhone euh, les royalties seraient différentes et c'est là où tout problème, c'est que Qualcomm demanderait des royalties par exemple supérieures sur les iPhones qui ont 256 Go de, de mémoire flash, euh, alors que euh, ça serait inférieur c'est ceux qui ont 64. Et la mémoire flash est sans vraiment euh, aucun rapport avec euh, la 4G. Donc euh, voilà, Apple a essayé, d'après ce qu'ils expliquent, un hein, jour dans la plante d'Apple, a essayé de, 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 de demander un rabais sur ces royalties qu'ils estimaient euh, trop grandes. Et, euh, et Apple et euh, Qualcomm a dit, euh, ok, on fait des royalties mais dans ce cas-là, euh, vous nous garantissez les Exclusivité de l'usage de nos puces dans euh, nos, dans vos smartphones, euh, d'où euh, l'abus de position dominante, euh, ouais. voilà estimé ce par Apple, Apple et ce cas, ce, ce n'a pas fait, Eric. C'est-à-dire oui. qu'ils se sont dit, non, on ne va pas être pris en otage par Qualcomm. Et pour l'iPhone 7 qui est sorti donc l'année dernière on va avoir certains modèles d'iPhone 7 qui ne vont pas avoir une puce Qualcomm mais une puce du concurrent direct de Qualcomm qui est Intel parce que Intel avec énormément de retard se lance malgré tout dans la bataille des, des chipsets pour téléphone portable hein, alors qu'aujourd'hui ils sont leaders pour les PC et les Macs hein. ouais. euh, donc là voilà euh, euh, Apple oui. dit ok non moi je vais pas mettre mes œufs dans le même panier je vais aussi acheter des puces chez Intel bah oui, ça ça n'a pas pu à Qualcomm ça bah oui c'est comme 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 disait JS hein, le, 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 le truc ce qui est un petit peu étrange avec Qualcomm c'est que en fait c'est un peu c'est un peu un collecteur d'impôts Qualcomm quoi c'est-à-dire oui, que c'est-à-dire qu'ils arrivent ils vous disent bah voilà donc vous utilisez notre technologie donc on va vous vendre une puce mais vous, on vous vendre une puce, mais il vous faut aussi évidemment vous payer payer la licence et si vous si vous utilisez un autre fournisseur que nous ah, vous allez payer beaucoup plus cher par mmh. contre si si on, si vous nous donnez l'exclusivité là on vous fait un sacré rabais donc là Apple au bout d'un moment a fait ouais ouais ça va les gars hein. donc euh, donc effectivement pour ce pour essayer de 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 de, de, se, de, de quitter un petit peu cette, cette mmh. Qualcomm et ses prix euh, un, un petit peu élevés, euh, bah, ils essayent de, de passer à autre chose et notamment à, à utiliser Intel. Et c'est on peut se demander si c'est pas ça en fait qui a aussi provoqué, mmh. euh, provoqué toute cette histoire puisque effectivement du coup bah, ils ont dû payer beaucoup plus cher euh, Qualcomm sur les sur les, les comment dire sur les sur les brevets sur les royalties que de, qu'ils devaient pour l'iPhone 7. Euh, c'est vraiment effectivement euh, la FTC hein, la FTC qui est le gendarme des télécoms euh, américains a aussi déposé plainte contre Qualcomm comme au mois de janvier et euh, carrément ils disent que enfin euh, Qualcomm collecte une taxe hein, sur, tous les, sur, tous les, sur tous les smartphones que, qui sont vendus dans le commerce et que cette taxe en fait, a tendance à grossir. Comme le disait JS, euh, et ben, euh, plus, on a, plus on élargit les technologies qui sont dans un, un smartphone, plus, plus Qualcomm Apple est obligé de, de, voilà. de payer à Qualcomm. Exactement. Si on arrive à 20 dollars par téléphone, je crois qu'Apple a vendu 150 millions d'iPhone de, l'année dernière. Euh, ça doit être quelque chose dans ces eaux-là. Ouais. Donc vous vous rendez compte 150 millions ouais. multipliés par 20 et encore, c'est une moyenne. Donc, c'est carrément des, des, des sommes mirobolantes. Oui, c'est des, des sommes colossales. Euh... Ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, pour Qualcomm, euh, Samsung et Apple, c'est... C'est 40% de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est capital. C'est-à-dire oui, oui. que si, si demain euh, Apple et Samsung disent euh, non mais au revoir, Qualcomm, on, oui. on va, on va, on va, on va tous avec, aller chez Intel. On ils va aller avec quelqu'un d'autre, ça va être très problématique pour eux. Donc, euh, et, euh, et vu que c'est euh, quasiment la moitié de leur chiffre d'affaires, il faut que, bah, essayer de tirer toujours plus d'argent de ces entreprises. Après, effectivement, oui. on peut dire que Apple a beaucoup d'argent, etc., etc. Et qu'ils ils peuvent bien payer plus. Mais là, pour le coup... Oui, ça me paraît un peu, un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre, effectivement, mais ça fait partie aussi du jeu euh, dans, dans les nouvelles technos. Il n'y a pas que Qualcomm qui fait ça. Hein. Euh, on peut penser à Microsoft. Microsoft mm -hmm. fait exactement la même chose euh, sur tous les smartphones Android, oui. ou presque. Oui, parce qu'il euh. touche de, de... En fait, il y, 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 y a des, des bouts des de Microsoft dans tous les téléphones a, Android. Alors, ce est, qui est contesté, d'ailleurs, par, euh, par Google. Hein. Mais il ouais, euh, y a des... Effectivement, ce, Microsoft a signé, a signé des accords avec à peu près tous les fabricants euh, connus de smartphones sous Android. Et donc, pour chaque smartphone... Android vendu, Microsoft récupère quelques quelques dollars euh, de la même manière parce qu'ils estiment qu'il y a des patents dans mmh. dans, dans le système dans l'OS qui leur appartient. Donc euh, donc c'est vrai que ça. ce n'est pas juste Qualcomm, mais là pour le coup, euh, Qualcomm et Apple étant tellement intriqué, imbriqués ensemble, euh, bah là c'est ça peut ça peut faire un espèce de big Bang si ça continue. Quoi. Cela dit à Guillaume sur YouTube qui nous dit que Qualcomm a presque le monopole des puces armes. C'est peut-être vrai. Mais alors il euh, y, y a quand même maintenant des concurrents. Il y a des hein, concurrents quand, quand même. Il y a même énerger. Samsung qui, qui, qui fabrique ses propres puces pour oui, son oui, alors après, y a ah. les des puces sont conçues à la fois euh, Samsung conçoit ses propres puces, Apple mm. conçoit ses propres puces. Mais là on parle de, de, des puces, euh, oui. des processeurs. Des, Donc c'est oui, pas oui, les processeurs modems. réseau en plus. Voilà. Non, non non non. Là, là euh, quand on parle des processeurs ARM, c'est les, euh, c'est vraiment les processeurs qui font tourner le système. Donc là c'est pas du tout les modems. Sur les modems, Qualcomm est vraiment prédominant. D'accord. Et là c'est pas c'est pas l'objectif en tout cas c'est pas le sujet non. des attaques qui entrent C'est vraiment sur le modèle qui permet de là, casser voilà, le la... Wi-Fi, la 4G et le euh, GPS aussi d'ailleurs, euh, puisque il voilà. y, y, y a tout ça. Donc euh, là, l'actualité de cette semaine, c'est que c'est Qualcomm maintenant qui attaque Apple oui. et qui a sorti. alors. Tu, tu l'as apporté parce que ah ouais. tu as imprimé. imprimé J'ai je... apporté les plaintes. Euh, Toutes alors à la les fois, plaintes. ça c'est la plainte d'Apple euh, qui fait une centaine de pages. Ouais. Et ça c'est la contre-plainte de Qualcomm qui fait 140 pages à peu près. Voilà. Euh, donc le, d, le DSI euh, de, de Zéro Annette d'ailleurs est en train de pleurer <laughs> vu le nombre de pages que euh, Jean-Sébastien ouais. Jean ouais. Zanqui je peux a imprimées. La forêt pour, euh, pour <laughs> Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà, c'est des, euh, des plaintes. C'est complexe hein, parce qu'en plus, euh, pour, euh, comme il s'adresse à des, à des juges, ils repartent vraiment des bases des... Euh, des technologies, etc. Mmh. Donc c'est compliqué. Euh, mais globalement, euh, Qualcomm, Qualcomm répond et réplique en disant euh, « ouais, Vous êtes bien gentil, Apple, de râler maintenant, mais euh, quand même, sans nos modems, euh, en fait, les modems Qualcomm équipent tous les iPhones depuis l'iPhone 4S. Euh, exclusivement, voilà, depuis l'iPhone 4S, ce ne sont que des modems Qualcomm. Euh, sans nos modems... » Depuis 2011, donc. Hein, voilà, c'est ça. Euh, ça. Euh, et sans nos modems, euh, vous n'auriez jamais vendu euh, d'iPhone. En fait, vous avez euh, fait 760 milliards de dollars de bénéfices avec tous vos iPhones cumulés depuis, euh, depuis maintenant six ans, euh, bah sans nous, euh, votre, euh, votre iPhone ne euh, servira à rien. Sans nous, euh, votre iPhone ne pourrait pas marcher avec Pokémon Go. Il donne des exemples. Il hein. n'y euh, aurait pas eu Pokémon Go, il n'y aurait Spotify. pas eu Uber. Il ouais, euh, n'y aurait pas de Spotify. Ah oui, carrément. Donc ouais, c'est oui, ouais. euh, c'est les sauveurs de la mobilité. <laughs> c'est un, Alors, un euh, petit peu Qualcomm. ça, ouais. Mais, euh, un petit Mais peu ils ça... ont raison ou pas de dire bah, ça ça. Ils ont raison, pas... non, pas forcément, puisque euh, le l'intérêt, c'est de dire est-ce qu'effectivement, sans Qualcomm on n'aurait on, on on pas eu... Uber, on n'aurait pas eu parce que c'est d'autres exemples qui donnent. Hein. À peu près toutes les applis qu'on connaît aujourd'hui n'auraient pas existé sans Qualcomm. En fait, euh, c'est pas forcément vrai puisque Qualcomm euh, n'est pas le seul à avoir travaillé déjà mmh, sur ces brevets. Il mmh. euh, y a d'autres entreprises qui pourraient avoir fourni euh, une, une puce similaire. Euh, d'ailleurs, on, on apprend dans ces plaintes que Apple aurait pu choisir une autre technologie oui. que celle de Qualcomm, le, le CDMA à l'époque de l'iPhone euh, aurait fait pression. Alors ça, c'est, je ne sais plus dans quelle plainte c'est dit d'ailleurs. C'est dans les Il est... deux en fait, ils se <laughs> la balle dans les... Mais aurait, fait, aurait dit à Qualcomm si vous, si, si vous nous faites pas des prix intéressants, nous on va, on va choisir le WiMax d'Intel, qui est une technologie concurrente dont on n'entend plus du tout parler aujourd'hui. Oui, heureusement qu'ils n'ont pas pris ça. On aurait été un peu si, ennuyés nous ici si en France. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, il y a d'autres technologies ouais. d'accès sans fil à, à, à Internet que, la, que le CDMA et maintenant le, le, la 4G, dont en plus Qualcomm détient moins de brevets que sur le CDMA. Euh, la 4G c'est un consortium beaucoup plus grand. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de oui, enfin Qualcomm dit ça, mais euh, effectivement il y a d'autres entreprises qui aujourd'hui fournissent, fournissent des puces similaires et qui peuvent fournir des services similaires. Donc c'est peut-être un tantinet exagéré quand même. Bon, à quelques mois de la sortie de l'iPhone 8, est-ce que tout ça peut remettre en. En question la sortie du nouvel iPhone euh, d'Apple Je pense pas que ça remette en question la, la sortie de, de l'iPhone. Parce ça que va être... Qualcomm peut faire pression à Apple, non Justement, pour dire attendez, euh, tant qu'on n'a pas réglé tout ça, bah, Disons, que... ben moi, je ne vous fournis pas en puce euh, pour votre prochain iPhone. Ça a compliqué quand même le business. Is oui. business, C'est-à-dire qu'on l'a vu déjà, hein, comme Apple s'est attaqué à Samsung Exactement, à l'époque, euh. ils continuent quand même à faire des affaires, mine de rien, parce que si, euh, comme on le disait, hein, si, euh, si Qualcomm n'a plus cette source de revenus d'Apple, oui. ça va aller assez mal pour eux. Euh, et puis, de, du d'Apple, il faut quand Apple, même voilà. fournir des iphones ouais, assez rapidement ouais, 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 donc donc tout, tout le monde doit trouver un terrain d'entente vite ouais. quest ce qui va se passer donc finalement ils vont régler leur histoire à coup de chèque ou à... et peut-être qu'on connaîtra jamais les arrangements les termes des arrangements c'est possible d'ailleurs c'est ce qui vient de se passer quand... entre entre qualcomm et blackberry euh, ils viennent d'arriver à un accord préliminaire euh, où qualcomm va payer euh, 800, 800, millions. 800 millions de, de dollars à, à qualcomm à blackberry pardon oui. euh, et puis euh, quand on voit les déclarations des dirigeants c'est euh, on est très content d'avoir trouvé cette d'accord on va continuer à collaborer sur plein de technologies tout ça euh, tout est bien qui finit bien ouais. mais ça va certainement se, se finir se finir comme ouais. ça et euh, malgré tout je pense qu'ils continueront à collaborer ensemble parce qu'ils n'ont pas ouais. non plus beaucoup de choix ni l'un ni l'autre ce qu'il faut voir aussi dans cette histoire c'est que apple est en plein mouvement pour essayer de dépendre moins des autres ça c'est aussi quelque chose de mmh. on l'a vu hein, avec... qu'il faut rappeler qu un iphone c'est en fait, l'assemblage de plein de petites puces qui ne fabriquent pas en totalité loin non, de là, hein. qui, qui ne fabrique, c'est clair pas et qui ne conçoivent pas non voilà. plus. Euh, et effectivement, là, on a vu que Apple va, va, va faire sa propre, son propre circuit vidéo euh, dans, dans une prochaine ouais. génération d'iPhone, euh, ce qui fait que l'entreprise hein, qui, qui fournissait jusqu'alors les puces vidéo euh, à, à Apple, eh ben mmh. au revoir. Euh, il est possible qu'Apple et ben, il est possible, il est même certain qu'Apple ait envie aussi de, voilà, de se débarrasser de certains fournisseurs qui lui coûtent de l'argent et qui lui empêchent en fait d'innover à son rythme. Donc c'est vrai qu'il y, y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Euh, sujet complet à retrouver sur zeronet.com C'est un peu complexe, mais vraiment on voulait vous en parler parce que... C'est euh, véritablement l'avenir de la téléphonie mobile qui est en train de se jouer avec ces oui. combats de titans entre une marque qu'on connaît évidemment Apple et une autre qu'on connaît un peu moins Qualcomm, mais qui mm -hmm. a son mot à dire dans tout ça. Merci beaucoup Eric. Merci. Tu restes avec nous. Avec Jean-Sébastien, on va s'intéresser à une autre actualité oui. signée Apple, et on évoque, vous le savez, régulièrement sur Zéro1Net TV et 0Net.com le nouvel iPhone, peut-être le 8, on ne connaît pas encore son nom, iPhone peut-être édition aussi, euh, il sortirait évidemment à la rentrée prochaine. Eh bien, ce iPhone rencontrerait des problèmes de capteur d'empreintes. Oui, si. euh, en fait, euh, il va y avoir une grande évolution a priori sur, sur ce prochain iPhone, c'est que l'écran va occuper toute la face avant, euh, un peu la manière dont on le voit sur le g 6 sur le Samsung Galaxy S8. Donc euh, qui dit écran sur toute la face avant dit euh, où est-ce qu'on va mettre le capteur d'empreinte. Donc la piste qui avait été employée par euh, LG et euh, Samsung, c'est de mettre le capteur d'empreinte au dos. Mm -hmm. Mais euh, Apple ne veut pas faire ça et veut le garder en façade. Alors comment faire quand on a un écran C'est intégrer le capteur d'empreintes à l'écran, certainement au bas de l'écran. Euh, pour ça, Apple avait racheté une société en 2012 qui s'appelle Authentech, qui permet, qui aurait des technologies qui permettaient de faire ça, euh, mais euh, la, la technologie serait pas forcément complètement au point, euh, du moins pour un lancement là euh, à la rentrée, comme euh, comme fait Apple d'habitude. Embêtant. Voilà, donc... C'est encore euh, à cause de Qualcomm, ça, j'en suis sûr. <laughs> Sûrement, ils ont dû euh, saboter tout ça. Et, euh, non, mais euh, du coup, euh, il ne va pas y avoir 36 000 solutions euh, pour Apple, c'est-à-dire soit... Ils vont retarder la sortie de l'iPhone pour avoir une technologie au point et avoir ce capteur d'empreinte. Avec tous les risques que ça engendre, parce que s'ils sortent pas l'iPhone pour les fêtes de Noël, exit que... les millions et les millions de ventes et voilà, voilà les bénéfices. Ça serait compliqué pour eux en termes ouais. de business. Euh, Notre solution, ça serait de ne pas mettre de capteur d'empreintes, ouais. d'utiliser par exemple la reconnaissance faciale seulement ou la reconnaissance d'Iris. Mais quand on voit comment ça fonctionne moyennement sur le Galaxy S8, puisqu'on a vu que certains arrivaient à, à pirater la reconnaissance faciale avec une simple photo, c'est pas la... La technologie mmh. la plus euh, la plus euh, la plus sûre euh, ou alors euh, apple pourrait choisir de mettre le capteur d'empreinte au dos de l'appareil alors là moi euh, je m'inscris. comme en, le g6 je sur la pas. suite je ne veux pas non, non si plus team cook <laughs> nous écoute ou si c'est l'ingénieur du capteur d'empreinte d'apple nous écoute j'aimerais si c'est si c'est possible ne pas avoir le capteur d'empreinte à l'arrière oui c'est des ah, solutions je... que les gens n'aiment ah bon pas trop moi je trouve ça plutôt pas mal parce que vous ah. avez le téléphone comme ça vous avez euh, Ouais, mais quand tu es en voiture et que tu l'as posé sur un support je n'ai pas de voiture et que ah ben voilà ou sur une table as une table c'est pas vrai parce que des fois tu prends l'auto libre je sais bien mais je sors pas mon téléphone trop dangereux mais non moi <laughs> Je trouve qu'à l'arrière, c'est pas si mal, euh, mais c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus. Euh, oui. voilà. Justement, quelle méthode utilisez-vous pour déverrouiller votre smartphone Vous savez que c'est notre question zéro net Orange de ce jeudi soir. Vous pouvez voter sur 01net.com. Voilà les résultats. Eh bien, voilà, le capteur d'empreintes, 60 ça paraît logique. Je ne mets pas de sécurité en deuxième position avec 22 Alors ça, c'est n'est pas bien. Hein. Oui. Ça, c'est n'est pas bien parce que si vous perdez ou si vous faites voler votre téléphone, eh bien, oui. euh, voilà, quelqu'un peut euh, s'en servir. Numéro 3, code clavier. Et le numéro 4, la reconnaissance faciale. C'est vrai que c'est une technologie qui n'est pas très utilisée, qui est... Voilà sur certains téléphones et qui euh, veut être popularisé sur le Galaxy S8 qui fait, vient ouais. juste de sortir, donc c'est normal qu'elle soit quatrième de ce sondage. N'hésitez pas à continuer euh, notre question 01net Orange. Eric merci. Merci. Jean-Sébastien, tu restes avec nous. Oui. On va te retrouver tout à l'heure pour le labo parce que tu as testé le fameux LG G6 et c'est une immense surprise côté photo. Oui. On va voir ça, c'est un très bon téléphone. On va pas tout vous dire, mais franchement, si vous aimez faire des photos avec votre smartphone, c'est une très très bonne nouvelle. On revient dans un instant avec le Zoom Actu de Delphine Sabatier. Merci à vous de nous suivre à la fois sur 01nettv.com, sur YouTube, mais aussi sur Facebook Live. Vous le savez dorénavant, 01 euh, live est aussi sur Facebook Live. Laissez-nous vos petits messages, vos réactions, vos questions. On essaie d'en attraper quelques-unes et de les citer à l'antenne. Delphine Sabatier, bonsoir. Bonsoir ça ça. Directrice des rédactions de 01net et euh, on va revenir sur cette histoire incroyable Burger King. Qu'on aime bien de temps en temps avoir dans son assiette, a diffusé une drôle de publicité sur YouTube, mais aussi sur à la télévision, hein, qui pouvait déclencher l'assistant de Google à distance. Racontez-nous cette histoire incroyable. C'est un peu le, le big fail ah oui. de la journée. Mais moi, je trouve ça plus, fun. Hein. Mais bon, ouais, ouais. On va en parler. Alors, en fait, ils voulaient être original, Burger King, et puis un peu copiner avec les geeks, comme ça. Au final, ils se sont totalement pris les pieds dans le tapis. À mon avis, alors le spot publicitaire il est vraiment très court. On voit un jeune employé de, de Burger King qui lance la vidéo en disant ben Voilà, vous regardez une pub Burger King de 15 secondes euh, ceux qui ne laissent malheureusement pas le temps de vous détailler l'ensemble des excellents ingrédients <laughs> que vous avez dans ce Whopper. Regardez-le, il est là, la il a l'air sympathique en, en la plus, Il est super mignon, voilà. il est très sympa et tout. Il n'a pas le temps, il n'a que 15 secondes. Le, le pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il fait eh ben, Il s'approche comme ça de la caméra et de l'écran. Et puis, d'un œil goguenard, il dit « Ok Google, quelle est la composition du Whopper ?» et La vidéo s'arrête là. Alors la suite, c'est les internautes hein, qui nous l'offrent. Donc là, on a découvert des vidéos où on voit ce même jeune homme faire sa publicité à travers un MacBook. Hein, et ce MacBook est posé sur une table, un bureau. Et à côté, il y a un petit Google Home, vous savez, l'assistant oui. euh, virtuel de Google qui est dans une enceinte. Et puis alors là, dès que Google Home entend Ok Google tic, 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 il se met à s'animer et il se met au boulot, il va chercher la fiche Wikipédia du Whopper et il nous balance euh, l'ensemble des ingrédients euh, du hamburger. Génial, donc ça veut dire qu'en vrai, la pub de Burger King a été efficace. Ça veut ah dire oui. que ça marche. C'est clair. Sauf que ça n'a pas été vraiment si bien joué. Ouais. Et euh, comment ont réagi les internautes Alors bah justement, ils ont quand même été assez étonnés, voire choqués euh, qu'une publicité puisse s'introduire chez eux, parce que c'est quand même ça, il euh, y a eu un accès à distance qui a été fait par ce jeune homme sur son écran publicitaire, sur un appareil que tout le monde, enfin que beaucoup d'Américains aujourd'hui ont chez eux. C'est un appareil privé euh, auquel on confie beaucoup de choses sur sa vie, euh, en qui on doit avoir pleine confiance. Et bien là, d'un seul coup, on peut se, re se retrouver dans cette situation où chez nous, tout seul, cet appareil nous met à débiter comme ça une publicité euh, gratuite pour euh, un hamburger de chez Burger King. Je parle du Google Home Assistant. Visiblement, ça marchait aussi si vous aviez un smartphone Android mmh. oui. euh, dans lequel on a aussi le OK Google qui s'active très très... Facilement. Donc il euh, y a eu beaucoup euh, d'étonnement, de surprise et un petit peu d'inquiétude. Bon, les internautes ont rigolé, d'autres étaient un peu effrayés. Et Google, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de cette pub Alors Google, ils n'ont pas du tout rigolé, ça ne <laughs> les a de pas réponse. fait rire. Non. Non, parce que finalement, euh, c'est un peu un hack de leur Google Home. Euh, et puis surtout, ça a été fait sans jamais leur demander l'autorisation. Donc on a une association de marque entre Burger King et Google qui s'est faite comme ça, hop euh, sans compensation financière, hein, soyons clairs. Et puis, euh, en plus, ça peut quand même jeter la suspicion sur euh, un appareil sur lequel justement on doit travailler sur la confiance euh, et pas forcément mêler les gens entre oui. la publicité et euh, la vie privée des gens. Donc Google automatiquement a supprimé en fait la fonction euh, vocale qui répond à cette question OK Google, quelle est la composition du Whopper Voilà, ça a été la punition pour Burger Donc là, King. Là, terminé, Burger King, on n'accède plus à sa fiche Wikipédia via le Google Home. Delphine, finalement, c'est quand même un bon boss. Pour Burger King cette histoire Alors c'est vrai que c'est un gros buzz, que c'est marrant, qu'il y a un côté geek. Moi je trouve que c'est quand même un jeu très dangereux parce que on est en train de parler d'une technologie qui s'installe, l'intelligence oui. artificielle, euh, qui doit accéder à beaucoup de nos données. Est-ce que ce n'est pas un jeu dangereux de la part d'un annonceur euh, de, de, de jeter la suspicion comme ça sur ces outils euh, voilà. Et puis c'est quand même intrusif, c'est quand même euh, une effraction. Il est rentré par mmh. effraction euh, dans la vie des gens. Euh, donc moi, je ne suis pas sûre que ce soit une si belle opération pour eux finalement. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Et, euh, mais bon, c'est vrai qu'après. Euh... Là, y a ça t'a fait rire milieu, parce que tu ne en... t'es pas retrouvé à la maison avec ton téléphone qui t'a balancé le... Ouais, mais je pense que ça m'aurait fait, ça fait oh. sourire. Mais parce que oh, je pense que ça, a fait, ça a fait sourire les geeks. Alors moi, ça, et ça a dû embêter les autres. En fait. Ce qui, qui m'a fait rire, juste pour terminer, je sais qu'on est pressé, ouais. euh, c'est que les internautes, en plus, sont assez malins. Ouais. Fiche Wikipédia. Ah, Génial, c'est collaboratif comme outil, ouais. et donc ils sont amusés à oui. modifier l'affiche. Ils se sont vengés. Du sandwich et dedans on a trouvé du cyanure, <laughs> voilà. Voilà, tout un ça. tas de, de produits cool. absolument <laughs> horribles et cancérigènes. Merci ouais. beaucoup Delphine. Allez, 18h24, on enchaîne tout de suite avec le labo 01net. Et nous accueillons le retour de Jean-Sébastien Zanqui, qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Bonjour Jean-Sébastien, et c'est François Bedin aussi qui nous a rejoint. Bonjour, moi j'ai bougé. Dans un instant, François Bedin nous parlera de cette nouvelle tablette Samsung qui vient de sortir. On vous en avait parlé lors du Mobile World Congress. Ça y est, elle est arrivée, il l'a testée. On va voir si... C'est son coup de cœur. Mais auparavant, le LG G6, l'un des gros smartphones de l'année, mmh. avec l'iPhone euh, qui sortira dans quelques mois, le Galaxy S8, le nouveau Huawei P10. Voilà, euh, euh, LG fait partie des grands ténors de la téléphonie Tout mobile. Le G6, Jean-Sébastien, tu l'as en main depuis plusieurs jours, mmh. tu l'as testé, le test complet vous attend sur zeronet.com. Et visiblement, c'est une... Très bonne surprise. Tout à fait, c'est une très bonne surprise, et euh, surtout qu'on avait un petit peu peur, parce que finalement ce G6 euh, euh, n'avait pas, on parlait de justement de Qualcomm tout à l'heure, euh, n'a pas la nouvelle puce de Qualcomm, la Snapdragon 835, qui est donc réservée en exclusivité pour l'instant au lancement pour les, euh, les Galaxy S8 américains, et donc elle mise sur euh, un, son processeur Snapdragon 821, qui est l'évolution du, du modèle de l'année dernière. Euh, malgré tout, au niveau performance, Super, euh, voilà, il n'y a aucun souci, ça reste une puce quand même puissante. Donc les jeux 3D, tout ça, il n'y a, a vraiment aucun souci. Euh, c'est donc aussi intéressant de voir euh, cet écran qui prend toute la face avant, euh, comme donc c'est la, la tendance cette année certainement, puisqu'on l'a vu sur le, le Galaxy S8 et certainement sur le prochain iPhone. Euh, cet écran, il est un peu bizarre parce que... Alors, voilà, c'est très joli puisque ça prend, mm -hmm. euh, on voit une face avant qui n'a pas beaucoup de bords, euh, mais quand même ça pose quelques questions sur certaines applications puisque comme c'est un ratio 18/9e et non pas un ratio 16/9e comme c'est le cas jusqu'à présent, eh bien quand on regarde une vidéo, on a des bandes noires sur le côté. Euh, quand on utilise des applications qui ne sont pas encore compatibles, euh, comme on l'a vu sur par mm -hmm. exemple notre test sur Super Mario Run, on a une bande noire en haut et en bas, oui parce qu'en fait la, voilà. la, 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 le jeu ne fait pas tout l'écran. Voilà, donc c'est un peu c'est un peu décevant d'avoir un écran aussi beau et de ne pas avoir euh, de ne pas le voir exploiter euh, autant que ce qu'on aimerait euh, voilà ça c'est un des petits défauts du g6 euh, mais surtout euh, sa grande qualité et c'est là où on a été impressionné c'est sa photo sa qualité photo c'est à dire que comme sur le g5 euh, lg a choisi de conserver ce système de, de double capteur photo de double focale surtout euh, c'est à dire que une des focales a un angle de euh, 30 mm donc euh, appareil photo classique mm -hmm. euh, et puis l'autre focale a un angle de 11 mm donc déjà ça c'est génial puisqu'on arrive à faire des photos en grand angle euh, quand on a un paysage super en face de soi euh, on peut le capturer comme ça quand on veut faire une photo de groupe avec plein de gens on, on peut est le obligé capturer de comme se reculer, ça de se coller au mur pour arriver à faire une voilà, photo, tout à fait ça euh, très et, euh, et, le, et la définition des deux capteurs elle est la même c'est à dire 13 mégapixels ah donc ouais. là dessus super euh, mais surtout euh, c'est sur la qualité photo en basse lumière c'est à dire que là dessus euh, lg fait hyper fort euh, c'est à dire que bah, tout simplement c'est le meilleur hein, du marché actuellement hein. il est meilleur que le galaxy s ouais. 7 que l'iPhone 7 oui s sans aucun ouais, vraiment euh, sans aucune vraiment, hésitation vraiment c'est assez c'est assez impressionnant voilà c'est voilà, que j'ai ouais. pris euh, euh, là c'est une, une photo assez dure pour, euh, pour un smartphone ouais. c'est à dire que il a des feuilles qui sont surexposées on a un fond euh, le ciel qui est complètement noir on a on des bâtiments a tout, avec, des euh, voilà, avec des détails derrière ouais, ouais. et euh, il s'en sort il s'en sort plutôt plutôt très bien et c'est pareil sur des, des couchers de soleil ou en mode HDR où on va avoir une photo avec des, des, une partie où la, la, la partie de la photo est, est sous-exposée à l'ombre. On a un ciel en face avec plein de nuages et ben, il s'en sort aussi très très bien là-dessus. Les nuages sont détaillés. Mmh. Dans, les, dans les parties sous-exposées, on, on voit aussi des choses. Euh, franchement voilà chapeau euh, là dessus LG a complètement réussi son coup euh, donc pour l'instant bah, il a tout simplement pris la tête de notre euh, top 10 des meilleurs Incroyable. smartphones euh, haut de gamme tout simplement donc maintenant on attend le Galaxy S8 pour voir <laughs> si le Galaxy S8 peut fait faire mieux. aussi bien sachant qu'il a le même capteur que le S7 donc on va voir ce que ça donne. Vous qui nous regardez, bah dites-nous tiens sur euh, sur YouTube, puisque nous sommes en direct sur YouTube, qu'est-ce que vous pensez de ce g 6 Est-ce que euh, voilà le fait que ce soit l'un des meilleurs téléphones, l'un des meilleurs photophones, ça vous donne envie de vous l'offrir. Euh, rappelons le prix. 749 euros. 749 euros. Voilà, bah dites-le nous. Euh, merci Jean-Sébastien. Oui. François Bedin, alors là, on est sur un écran un petit peu plus grand. C'est la nouvelle tablette Samsung que tu as reçue et que tu as testé pour nous. Tout à fait, c'est la tablette qui succède à la Galaxy Tab S2, qui s'appelle donc la S3. Ouais, c'est logique, <laughs> génial. C'est pas mal. Euh, on prend un peu les mêmes, on recommence au niveau du format, c'est donc euh, du 9,7 pouces format 4 tiers. Euh, L'écran a la même définition, du 2048 par euh, 1536. Et d'ailleurs, c'est la même définition que l'iPad Pro euh, 9,7 pouces. Je dirais que déjà, c'est une superbe tablette dans le domaine du haut de gamme, bon, et, que ça pourrait, bluffé, voilà, et que ça hein. pourrait être euh, un peu la, une alternative à l'iPad Pro. Pour ah les gens, là. évidemment, qui veulent passer Android. Parce que je pense que les gens qui sont sur iOS, ils resteront sur iOS, c'est très très dur de les faire changer d'avis. Mais euh, voilà, en alternative Android, c'est vraiment une, une tablette euh, mm -hmm. qui a beaucoup de points positifs. Déjà l'écran, effectivement, c'est du super AMOLED, c'est vraiment magnifique. Ça, ça, J'avoue que ça m'a ça bluffé en termes de, de qualité. Euh, processeur, c'est du Snapdragon 820, donc ça marche super bien pour toutes les applis, les Nos jeux. Il n'y a, 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 a aucun problème. Puisque les Snapdragon, c'est Qualcomm. Ouais. Et surtout, il n'y a pas de problème d'autonomie. C'est-à-dire que des fois, les processeurs puissants, bah, l'écran mmh. puissant et l'autonomie, c'est catastrophique. Ouais. Donc là, euh, on a mesuré donc, près de 15 heures en lecture vidéo, ce qui est excellent, ce qui est meilleur que la S2. Et c'est euh, meilleur que l'iPad aussi et euh, je, je crois, crois que c'est un que peu meilleur hein. que l'iPad. Ouais. Voilà. Voilà. Mais après, bon, c'est pas les mêmes conditions de oui, test, vu que ce oui. pas les mêmes OS. Donc oui, voilà, là, c'est plus difficile de, de se prononcer. Un je autre... crois qu'il a aussi des haut-parleurs. Voilà, un de, autre point qualité, commun, Voilà, il y a quatre haut-parleurs comme sur l'iPad Pro. Ouais. Et là, ils se sont, ils ont fait appel à AKG, AKG, c'est une filiale d'Arman et il se trouve que Samsung a racheté Arman. Donc ça peut servir. comme ça, Il n'y a plus trop de problèmes. Alors quel intérêt d'avoir quatre haut-parleurs Ce qui est assez rigolo, c'est par exemple pour la stéréo. Si on écoute une musique en stéréo et qu'on tourne la tablette, ça suit la stéréo suit oui, donc euh, c'est assez rigolo euh, ça permet d'avoir un petit peu plus de puissance sonore par contre il faut pas rêver le son quand même manque de basse normal c'est une tablette il n'y a pas assez de place pour mettre des gros parleurs donc ça euh, ça remplacera jamais une grosse enceinte ou une chaîne IFI. donc sur ce plan là euh, voilà mais c'est un peu c'est un petit mieux qui est toujours intéressant donc et bonne tablette oui et surtout j'ai sortir une chose de ma poche oulala attention génial. oui vous savez que notre ami François a toujours des petits gadgets voilà, cachés la, la, dans la, sa poche. La, la tablette, je ne pouvais pas. Mais <laughs> le stylet, Et le style. elle est livrée en standard avec un stylet. Ah oui. Donc Pour les gens qui aiment bien faire Alors du que dessin... que sur iPad Pro, ça coûte, je crois, 100... 109 euros. Oui, 109 euros, hein. ouais. voilà. c'est euh, ça. En plus, c'est un stylet qui euh, n'a pas besoin de se recharger, qui n'a pas besoin d'apairage, qui est tout de suite oh. reconnu. Y a, oui. voilà. Donc Le fait que ça soit en standard pour les gens qui aiment bien la prise de notes, qui aiment bien faire du dessin, qui aiment bien faire euh, un petit peu de pseudo-peinture. Euh, bon, Là, même s'il y a juste une application, mmh. De, de prise de notes, on peut déjà faire quelque chose. D'ailleurs, notre ami Pierre a, a fait des beaux dessins eh avec oui, la tablette. Notre réalisateur Pierre voilà. a aussi des talents dessinateur. C'est génial. Bon, moi, j'ai fait un dessin pourri. <laughs> soyons clairs. Mais, alors, c'est pas pourri, voilà. mais c'est vrai que c'est un peu moins voilà. artistique, on va dire. Voilà. Là, on voit aussi pour la, pour les, la lecture de vidéos. C'est magnifique. Et c'est une tablette qui gère le HDR, c'est-à-dire qui mmh, permet. Alors qui permet d'avoir dans les scènes sombres de meilleurs détails, plus de luminosité, mais il faut encore avoir les contenus. Heureusement, YouTube a une chaîne HDR, donc ça peut servir. Et puis Netflix, Netflix aussi, on voit des contenus HDR. Elle peut combien cette tablette Alors, Attends, avant, avant, je veux juste te dire un truc, c'est que le format 4 tiers, c'est génial pour surfer, par ouais. contre pour les vidéos, c'est moins bon, parce que les vidéos étant en 16 e ça fait des grosses bandes noires. Ah ouais euh, la tablette fait 679 euros en version Wi-Fi, c'est un peu plus cher évidemment en version 4G. Euh, le tarif est tout à fait raisonnable par rapport à l'aspect haut de gamme, c'est même légèrement mmh. moins cher que l'iPad Pro. Donc c'est vraiment, il y a 4Go de mémoire, 32Go de stockage, donc il y a, il y a vraiment on ce dire que et, le... et il y a le SPEN, donc euh, le stylet en standard. Voilà, ça devient la meilleure tablette Android du moment, on peut le dire Oui, un dernier petit bémol, c'est au niveau de la photo, les photos sont bonnes mais sans plus. Bon, ça, il voilà, n'y a, a, hein. a pas de miracle. Voilà. J'ai comparé avec le, bah, toujours l'iPad Pro. Et là, l'iPad Pro fait quand même mieux en termes, de, en termes de photos. Mais bon, après, les gens n'utilisent pas forcément leur tablette pour faire de la photo. Mais pour ce qui est de surfer, pour ce qui est d'utiliser des applis euh, et profiter de contenu multimédia, c'est vraiment une réussite. Merci, François à retrouver donc le test complet sur zeronet.com. On se quitte avec les résultats de notre sondage 01net orange de ce jeudi soir. Quelle méthode utilisez-vous pour déverrouiller votre smartphone Capteur d'empreinte, voilà, qui progresse encore un peu, 62% c'est logique. Hein. Oui. Aujourd'hui, la plupart des, des smartphones, même moyenne gamme, ont un capteur d'empreinte. Numéro 2, je n'ai pas de sécurité, on vous le disait tout à l'heure, c'est pas bien. Il faut au moins, si vous n'avez pas de capteur d'empreinte, au moins avoir un petit code à quatre chiffres. Hein. Bah, un code PIN comme le, prendre le code de sa carte bancaire, Exactement, par exemple, ou même bon, le là, même code, code de PIN ouais. de sa carte SIM, hein, voilà. Euh, voilà, qu'on multiplie par deux. Euh, le code clavier en 3 et en 4, la reconnaissance faciale. N'hésitez pas à continuer à voter sur notre... Euh, page 0Net.com pour notre question 0Net Orange. Merci à Jean-Sébastien, merci, merci à François Bedin. Ce 0 en Live hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis à la fois sur YouTube, vous étiez nombreux ce soir encore, sur Facebook Live aussi, puis sur 0 nettvcom TV.com. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine et vous le savez, toute l'actualité high-tech, c'est tous les jours sur 0Net TV. A très vite et bonne soirée.